Bah, ça c'est machine et ministre, non? Les policiers, IHGPN, présent et accompagné ministre, non? C'est bien, allez, 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 allez. Voilà, ça c'est le ministre. Il a quitté le ministère là. Mes amis, allez con nous, allez con nous. Avance, avance, avance. Ministre, capitaine ministère. Machine tout neuf. Tout neuf. Tout neuf. Il est sorti. On a fini de prêter ça comme ministre. Tout ballon machine tout neuf. Vous faites travail pays. Avancez, 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 avancez. Avancez, messieurs. Vous avancez. Zami, allez go, allez go. Allez go, allez go. Linda, madame, madame.
c'est au café pour faire des barres ministre. Les hauts responsables au ministère des Affaires sociales, nous sommes très contents d'être avec vous ce matin pour une cérémonie tout à fait particulière et solennelle. Le ministère des Affaires sociales va accueillir son nouveau locataire à la personne de maître de Monsieur Franck Wilbert Georges. Je veux croire que cette cérémonie revêt une circonstance particulière. Certainement, le nouveau locataire aurait dû être reçu par les hauts responsables du ministère qui sont brillés par leur absence. Et hormis l'ADM et le directeur des ressources humaines, Franck Toyo, et d'autres responsables, on a pu remarquer que l'ancien locataire, le ministre sortant, il n'est pas là. Le directeur général, M. Widier Rivaud, il est également brillé par son absence. Donc, ce qui importe pour nous autres, c'est quand même une situation toute particulière. Donc aujourd'hui, le ministère des Affaires sociales va recevoir, va accueillir son nouveau locataire. Et je veux croire que cet événement revêt une importance particulière. Et nous avons pas mal d'invités avec nous. Et tous ces invités sont venus pour accueillir, pour souhaiter la plus cordiale bienvenue au nouveau locataire du ministère des Affaires sociales. Naturellement, le ministère des Affaires sociales a toute une histoire. Et c'est pourquoi nous voulons vous introduire le docteur Franz Toyo, le directeur des ressources humaines, certainement après plus de 5 ans de carrière, 5 ans assidus, il est à même de vous présenter succinctement le fonctionnement, les rails du ministère, et il sera à même de dérouler symboliquement le tapis rouge pour accueillir, pour recevoir l'actuel premier ministre, bien sûr, des affaires sociales. Sur ces entrefaites, mesdames et messieurs, j'ai le privilège et l'honneur de céder le micro au directeur des ressources humaines, docteur Franz Toyo, à qui il incombe la mission de recevoir et d'accueillir les invités d'aujourd'hui. Bonjour tout le monde. C'est un honneur pour nous, ce matin, d'accueillir dans la salle de la conférence. De conférence, le ministre, le nouveau ministre, Georges Franck. En cette circonstance, nous allons dire au ministre que ce ministère est un ministère particulier. Nous voulons lui souhaiter la plus cordiale bienvenue parmi nous. D'ores et déjà, ministre, nous vous disons bienvenue et nous vous disons que vous pouvez compter sur notre franche collaboration. Au nom de tous les personnels du ministère des Affaires sociales et du travail, je vous dis bienvenue. Excellence, être ministre, c'est être un bon père de famille. Être ministre, c'est d'avoir une feuille de route. Être ministre, c'est d'avoir un projet. Et le ministère des Affaires sociales et du travail attend beaucoup de vous. Et comme le premier ministre
qui a placé confiance en vous pour que vous soyez là comme ministre. Il a placé une très forte confiance en vous et j'espère que vous allez pouvoir réussir la feuille de route qu'il vous a donnée avec notre collaboration. Nous n'allons pas être trop longs, mais nous voulons seulement motiver l'absence du ministre sortant, M. Obiérico. Il n'est pas ici présent, mais c'est une cause involontaire. Deux, le directeur général n'est pas non plus là. C'est indépendamment de sa volonté. Il m'a appelé pour me confier la mission qu'il devait assurer. Donc, ministre, je voudrais dire à mon étudiant ici, ministre, M. Carlos Sekir, toutes mes félicitations comme ministre, nouveau ministre de la Justice. Vous l'avez bien mérité, vous avez combattu le bon combat et maintenant vous êtes récompensé. Félicitations, monsieur le ministre. Donc, je ne vais pas être trop long pour vous dire, monsieur le ministre, je vais m'exprimer en langue vernaculaire sur trois choses qui vous attendent au sein de ce ministère. Premièrement, c'est le combat pour les oubliés du ministère. C'est-à-dire, le MAS a une catégorie qu'on oublie souvent, c'est le petit personnel. Donc, nous allons devoir travailler ensemble pour améliorer le sort de cette catégorie-là. Deuxièmement, c'est les exploités du ministère. Les exploités du ministère, ministre, c'est les contractuels qui sont là depuis 20 ans, 15 ans, 12 ans, qui n'ont jamais été nommés. Donc, ce sont des personnes comme vous venez de voir vous-même à l'entrée de la cour. Donc, comment ça se passe? Nous devons travailler pour améliorer le sort de ces gens-là. Troisièmement, c'est le leadership du ministère. Le ministère doit avoir un nouveau leadership. Le ministère doit avoir un nouveau visage. Et nous vous donnons la garantie que vous pouvez compter sur nous pour réussir votre feuille de route. Votre échec, c'est le nôtre. Votre réussite, c'est le nôtre aussi. Donc, nous voulons dire à tous les personnels ici présents, de vous mettre à la disposition du ministre pour que nous puissions travailler ensemble afin de donner une autre image à ce ministère. Le ministère des Affaires Sociales, c'est pour nous. Le ministère des Affaires Sociales, c'est afin nous. Nous pas doué comment craser le ministère. Alors, moi, dis-nous, Déa, au travail, et Déa, bon courage, comme nous toujours faisons ensemble. Nous comptons travailler ensemble pour nous aider l'autre chose changer. Et ma petite presse ministère, merci pour l'organisation. Et puis moi, je dis tout qui est là, merci tout. Et sans plus tarder, je vais mettre la parole à maintenant pour lui introduire M. Carlos pour être capable d'installer le ministre. Merci. Chers collègues, je suis très jaloux de vous. Parce que cette assistance témoigne déjà votre popularité. Mais comme vous n'allez pas pouvoir être candidat aux prochaines élections, donc vous ferez que le différer. Mes chers amis, les collègues avocats qui sont présents dans cette salle, ça a fait jeudi à gagner une importance capitale. Affaires sociales, c'est un gros morceau. Gros morceau pour tous ceux que vous savez.
question de lutte contre la pauvreté, parce que gagner répartition illégale des richesses, monde qui n'est pas capable de faire des études foncées, le film travaille après 25 ans, le baron noyé, comme autant de pension. Chaque jour, vous gagnez un pile de monde qui vient là qui a demandé assistance. Ce n'est pas parce que vous êtes emmerdant, c'est parce que vous avez besoin. Alors, responsabilité, elle est vraiment énorme. Et comme vous bénéficiez déjà de cette popularité, j'espère qu'elle va être transférée en collaboration. La collaboration, c'est pour vous-même, c'est pour vous dire que vous allez devoir comprendre le ministre dans l'exécution de sa tâche. Parce que Marron vient d'un moulin qui relève presque chaque fois. Il est barré pour nous, comment c'est fâché. Vous dites, j'en vous mettre mes necks là, mais vous n'allez pas répondre. Mais si nous parlons de travail, il faut le guider pour le faire. Il faut le guider pour le faire. Et lui-même, il n'a pas arrangé le besoin. Un petit temps pour les recevoir tout le monde, sans qu'à satisfaire, satisfait, sans qu'à satisfaire, mais la vie doit comprendre pour qui ça le fait. Parce que bagala, c'est une compréhension mutuelle. Et dans sa pays, il y a des gens qui disent, si nous ne mettons pas tête ensemble, demain, puis triste. Et ça, vous comprenez? C'est la première fois ça. Même des premières fois, c'est parlé. Mais ça fait très, très longtemps. Peuple haïtien pas investi confiance dans un homme politique. Ça fait très longtemps. Le temps de ces gars iconiques, c'est comme si tout le monde dit, oh, c'est le sauveur. Mais attention, l'absorbeur a sinon rebaillé. Parce que côté, il n'y a pas qu'à faire pour lui. C'est ça fait libre des ministres. Chaque ministre a une responsabilité. Mais le ministre n'a pas qu'à faire rien pour contrer. Si on pas encadré, si pas une collaboration, le petit collaboration, collaboration, franche, équipe qui travaille avec elle. Nous ne sommes pas d'accord tout le temps et nous ne sommes pas d'accord tout le temps. Parce que nous, chaque fois, on fait ça. Mais pour ça qui cimente nous en Haïti, nous allons devoir faire des compromis. Bagay nous sommes d'accord sur nous. Dans d'autres temps, mais si circonstances l'ont fait, nous obligés d'accord sur nous parce que le bébé ne va pas quitter le monde. Nous ne pouvons pas arrêter plus parce que nous avons l'autre ministre malestar. Donc, nous, mais suivant l'autorité que le chef gouvernement conféré, je déclare. Le ministre des Affaires sociales investit maintenant dans cette fonction. La justice et de la sécurité publique. Monsieur le protecteur du citoyen et de la citoyenne. Messieurs les recteurs des universités publiques en région, mesdames, messieurs les directeurs, les directrices et cadres centraux de l'administration, des administrations déconcentrées du ministère, mesdames, messieurs les cadres techniques et employés du ministère en vos titres, grades, rangs et qualités, mesdames, messieurs les représentants du groupe de la société civile et des organisations syndicales, mesdames, messieurs les représentants, représentantes des médias, chers invités, mesdames, messieurs, issus de la société civile et du mouvement syndical, je veux tout d'abord remercier le Conseil présidentiel de transition et son Excellence Monsieur le Premier ministre, le Docteur Gary Conille, de leur haute confiance
en m'associant à cette équipe gouvernementale qui a l'urgence d'améliorer progressivement les conditions de vie des Haïtiens et des Haïtiennes. Qu'il leur plaira d'accepter l'expression de ma plus haute gratitude. Aujourd'hui, notre pays vit un moment triste de son histoire qui exige que chacune de ses filles et chacun de ses fils mette à contribution ses compétences et ses capacités pour relever le défi auquel il est confronté. C'est à ce carrefour historique que le devoir m'appelle à servir. Et avec la plus grande humilité et simplicité, je ne fais qu'obéir. En prenant ici fonction comme ministre des Affaires sociales et du Travail, je nourris une pensée spéciale à l'endroit de toutes les victimes des événements malheureux qui ont semé le deuil et la désolation au sein des familles haïtiennes au cours de ces dernières années. Je pense aux enfants, aux filles et aux femmes violées, aux personnes déplacées internes qui vivent dans des conditions dégradantes, aux familles décapitalisées plongées dans le chômage, à celles et ceux qui ont perdu espoir, je veux leur dire combien ce gouvernement auquel j'appartiens se sent concerné par leur situation et l'état actuel du pays en général. Le gouvernement s'engage à tout faire. Le gouvernement s'engage à faire tout ce qui est possible pour redonner l'espoir à chaque Haïtien, à chaque Haïtienne. Ainsi, je donne la garantie de m'acquitter de ma tâche avec courage, sérieux, dans l'honneur, la transparence et la dignité. Mesdames et messieurs, nous assistons à la désintégration de notre société. Cela est notamment dû à un processus croissant de paupérisation et de marginalisation sociale. Le pays n'arrive plus à nourrir sa population. Environ 5 millions de personnes souffrent de la faim. Au cours de ces 6 derniers mois, la violence des gangs armés a contraint plus de 500 000 de nos concitoyennes et concitoyens d'aller se réfugier dans des campements de fortune, ce qui constitue une violation de leurs droits. Parallèlement, notre système d'aide et de protection sociale, fondé sur le revenu du travail et vieux de plus de 50 ans, se révèle clairement inefficace à la jouissance des droits socio-économiques de la population. La violence des gangs armés a aggravé davantage cette situation, occasionnant des pertes d'emplois, notamment dans les secteurs sous-traitance et informels, la faillite de beaucoup d'institutions, d'entreprises, etc. Le désespoir de nos jeunes les pousse dans les aventures périlleuses de l'immigration illégale, particulièrement en République dominicaine, au Chili, au Brésil, au Nicaragua, aux États-Unis d'Amérique et j'en passe. Mesdames, Messieurs, permettez-moi en la circonstance de saluer le ministre sortant, M. Rico Audenay-Pierre, qui me passe le maillet aujourd'hui, même lorsqu'il est absent à la cérémonie. Il a dû faire face aux grands défis auxquels la grande administration est confrontée au quotidien durant ces 3 dernières années. Je lui souhaite du succès dans ses prochaines entreprises et lui rappelle combien la République a encore besoin de lui, de ses compétences et de ses expériences. Mesdames, Messieurs, le ministère des Affaires sociales et du Travail
doit apporter des réponses urgentes et réalistes en vue d'améliorer rapidement les conditions de vie de la population, particulièrement les plus vulnérables. Dans le cadre du plan d'action du gouvernement, le MAST devra travailler avec tous les secteurs concernés pour lutter contre la pauvreté, mettre en place une politique spécifique d'accompagnement des personnes déplacées internes et des jeunes. Le ministère devra instaurer un dialogue social permanent entre les syndicats, le patronat et le gouvernement dans l'idée d'assurer la viabilité et la sécurité des emplois et la compétitivité des entreprises nationales. Le MAST a l'obligation de mettre en place un socle de protection sociale au bénéfice de la population les plus vulnérables dans une perspective de protection sociale universelle. Il est impératif de travailler rapidement à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion des organismes de sécurité sociale, notamment le service d'assurance de la fonction publique, en vue d'une meilleure prise en charge des assurés et des bénéficiaires pris généralement. Le MAST travaillera à concrétiser ce qui relève d'une grande préoccupation pour le gouvernement, une stratégie globale d'intégration des normes de protection des droits de l'enfant, en particulier en ce qui concerne les enfants en danger. Dans le même sens, seront prises en compte à travers des programmes adaptés, les exigences d'insertion socio-professionnelle et d'accessibilité pour l'inclusion des personnes à mobilité réduite. Enfin, en référant à la résolution 2699 du 2 octobre 2023, le ministère des Affaires sociales et du Travail aura un rôle majeur à jouer dans la stabilisation et l'instauration de la paix sociale dans le pays, indépendamment des activités qui seront menées par la mission multinationale d'appui à la sécurité. Mesdames, Messieurs les cadres, les employés du MAST, chères collaboratrices, chers collaborateurs, je connais vos frustrations et vos complaintes. Je veux donc vous rassurer que je ferai tout ce qui est possible pour garantir vos droits et de meilleures conditions de travail. Je viens au ministère des Affaires sociales et du Travail pour travailler au redressement de notre image, de son image, et à fournir des services publics aux usagers dans le respect des normes administratives et dans la loyauté. Pour y arriver, l'institution a besoin de vos compétences, de vos expériences, de vos engagements, de votre éthique professionnelle. Le MAST et le pays tout entier ont besoin de compter sur votre sens du devoir, votre esprit de compétence, votre esprit de coopération, sur votre souci de résultat pour être à même d'affronter les défis qui nous attendent dans la lourde tâche de faire fonctionner l'administration et de fournir aux concitoyennes et concitoyens des services auxquels ils ont droit. Je terminerai mon propos en vous invitant au travail. Au travail pour vous-même, par votre travail, pour une Haïti régénérée. Merci à tous et à toutes. Comme vous connaissez, on dit que ça pour la 5 fois d'affaires sociales. Je te jure à là, nous-mêmes, en tant que militants, nous avons, pour nous dire non avec colère, pour nous dire Gariboni, pour nous dire Gariboni, pour nous aller prêcher l'évangile, peuple là pas prendre l'évangile, on pense d'action, peuple à quoi. Parce que je dis à là, la sécurité a valé terrain, la richesse a valé terrain, nous ne sommes pas capables encore pour nous dire, et pour affaires sociales, il là, c'est pour tout le monde travail, il n'y a pas là. Vous êtes si vous êtes qui occupez l'espace. Vous êtes de ces prêts, il y a plein de quoi.
que nous restions vieux parce que nous ne pouvons pas faire ça. Nous oui, sommes des changements de votre état. Et tu vas dire à un ministre là? Non, mais non, pas au dernier niveau. Au dernier niveau de chaque installation, il n'y a pas d'être dans l'affaire sociale. Au dernier niveau, pas représenter un rien dans l'affaire sociale. Je dis à nous-mêmes, nous, je dis à ces installations, nous-mêmes, nous venons là, en tant que militants, pour nous poser un clair bali. Pour ISS faire travail, ADM, depuis sortir dans ADM, directeur général, pas de résultat, je dis à nous-mêmes, nous là, pour nous générer des résultats, nous-mêmes, Augustin. Pour nous dire Augustin, pour changer, nettoyer, pour être avec le balai, pour le balai, tout ça, il doit balai. Nous, maintenant, nous avons la conduite, ça veut dire. Bon, faute là, c'est pour demander voler qui va voler nos potes là, nous on marche avec vous pour nous marrer voler. Et puis, où dire, il faut venir à Chata. Ça, révoltez-vous. Nous accompagnons pour aider nous marrer voler. Nous ne savons pas qu'est-ce qui vole et qu'est-ce qui va voler. C'est juste INCC, YF, BAF, a dit nous qui est-ce qui vole pour nous pouvoir continuer avec. Ces documents là. Avec le ministre. Je vous dis, nous-mêmes, en tant que ministère des Affaires sociales, nous disons, est-ce que le 21e siècle, nous nous avons de 17 à 27 et 28 000 groupes. Ça va exister. Nous, Mami Diri, à 27 35 000 là, nous demandons au ministre, accompagner le ministre financier pour augmenter le salaire employé ministère. Après, nous demandons au nouveau ministre pour qu'il soit actif chaque mois pour le ministère pour employer le ministère affaires sociales là, joigne chaque mois, joigne. Nous demandons au ministre, il y a une stratégie en ici. Chaque fois, un nouveau ministre vient. Je pourrais créer un bureau dehors. Nous disons que aujourd'hui, à partir de aujourd'hui, ça finit. Ça finit. Central là, c'est Charles Soumelier, Libadelma 60. Oui. Nous disons aujourd'hui, il faut que le bureau soit dans la centrale. Pas que nous, quel directeur, quel cadre de ministère, quel ministre du travail, comme ça doit être dans le ministère. Mais le bagage qui va nous faire mal, comment faire nous travailler avec l'affaire sociale, nous faire une sociale là qu'à nous. Tandis que notre sociale a privé de nous. Nous mettons une sociale là qu'à nous d'abord, pour qu'elle jusqu'à arriver de nous. Nous disons PM là, pas le ministre de force courage, parce qu'il y a un peu de nous. C'est quand même Jean Kassouza, qui c'est Franz Wilber, Georges, Vinicius. Pour lui gérer l'affaire sociale et parce qu'on connaît la capacité pour gérer l'affaire sociale. Oui, mais on connaît le cas de l'affaire sociale parce que son ancien syndical extérieur. Et bien on est crochu, on est de droite. Aujourd'hui, nous 10 ministres, nous avons géré l'affaire sociale, nous avons géré de manière où tu as géré le syndicat parce qu'on a pris donc principe le syndicat. ILCC, on dit à nous prier pour lui. Parce qu'à partir de aujourd'hui, il faut que nous disions après. Après, nous mettons tout nouveau million d'euros, nous mettons à arriver salaire à partir de 25 ans. Si quelqu'un prend du joint, je le dis, nous-mêmes, nous avons tenu réponse du ministre, nous étions là, dans pile d'arrive, il y a des gens qui méritent un code, on a justice pour eux, nous-mêmes, la presse, nous remercions. Ok, merci. Nous sommes volés.
Pour ministre Koni, augmenter budget et puis pour Haïti, le monde qui est dans le grand goût, parce que Haïti est vraiment, vraiment dans le grand goût et dans la nécessité. Nous pouvons essayer à travers le ministère des Affaires sociales, qui n'a pas qu'être ministère, qui n'a pas qu'être direction qui sous tutelle lui, ça qu'a fait, ça qu'a fait. Pas de bonté, même pour le monde venir pour recevoir, pas de accueil, en administration sociale. Pas de service, nous sommes des mêmes. Nous sommes en service social. Nous disons, le plus vite que possible.
toi qui vois ce, toi qui passe mes dans boîte là, n'a dit sécurité yo. Faut ministre prend à la sécurité yo au sérieux, mettez bagarre dans mes yo. Sécurité pas fait à main. Acheter matériel pour sécurité yo. N'a dit ministre quoi, quand c'est populaire, faut qu'il ouvre pour mon qui plus vulnérable yo. Et puis n'a dit la presse, n'a pas encore de chapeau pour DG Jules Moïse qui a fait un bel travail dans le CAS. C'est pour la première fois nous on DG Pec dans le CAS. Pour le faire, si bénéficiaires revivent. Nous sommes prêts de là, nous sommes fait pour deux mois là. Jules Moïse, bravo. Bravo pour vous, continuez comme ça. N'a pas travail, n'a pas parlé. Et puis merci. C'est ça qui est à la cause. Et il ne faut pas nous-mêmes. Et il ne faut pas moun. Là, le ministère de la Société Sociale, le secteur général. Mais ce n'est pas je vais bien même. C'est le fait cop à l'acheter machine. Le fait cop, voyez pas bandit. Le fait cop, elle fait crée avec petit monde, 16, 17 ans. Nous disons, vous dites, il faut. Nous disons, c'est assez. Vous dites, il faut pas mettre bien la boîte. Depuis la boîte, ah, mais c'est qu'est-ce que c'est quand il va jeter le bat là? Vous êtes quoi? Non, pas c'est celui que tu veux nous. Merci. Bon, et présence maintenant ministère là, je dis, hein, c'est juste pour nous faire revendication nous passer. Parce que nous-mêmes, y'a les nous néglari. Nous pas néglari vraiment. Oui, nous c'est chômage. C'est des hommes chômés dans l'arrière. Mais nous pas néglari, j'ai eu deal là. Ok? Oui, nous acceptons, y'a deal. Parce que nous pas travailler. Et bien nous-mêmes néglari, je dis à qui ça dit? Sous Ariel. Ariel fait tout le temps, chaque jour nous là, de 6h du matin à 6h du soir. Nous venons plus bon employé, là, les pita employé. Je vais pas bosser avec nous. Nous disons, ministre, ça fait venir avec ce là. Bosser avec nous, même militants qui devons bailler. Parce que dans l'école, nous devons nous faire petit pour nous travailler. Pour nous travailler. C'est ça que le président pour la ici. Je ne dis pas, parce que. Le ministre Gary Kony vini. Le premier ministre, il vient de la sécurité. Mais nous devons le connaître. Insécurité, elle n'est pas seulement dans Gaza. Insécurité, elle est là dans le Gogoutou. Il a un chômage de tout. Vous comprenez? Égal. Nous demandons pour marrer tous ces jeunes qui vont dire. Nous demandons pour regarder tous ces jeunes qui vont bandir. Nous même acceptons tout le temps. Parce que toute misère nous devant le ministère là. Si vous nouveau gouvernement a formé, nous dit faut intégrer nous-mêmes. Faut nous dedans. C'est raison ça qui fait nous là. Ok? Vous ne pouvez pas passer pour nous, jeunes ministres. Mais médias ont fait un message à passer pour nous. Raison qui fait nous là. Nous même militants devant avec ça. Le faut nous intégrer. Merci. Bon, c'est pas c'est les rivaux. Quand c'est là pour marrer tout le monde qui n'a corruption dans la boîte l'État. Je ne vais pas parler des rivaux. Je sais que ça fait rivaux, va venir les bâtir. Pas oublier, boîte là c'est social. Avec ce sac qui est représenté, représenté masse pepio. Ou dire que vous voulez la parler, faire qu'on est nous serravet. Il a son boîte ravet. Ça ou dire rivaux vas-y dans la boîte ravet. Il va pas venir là. Seulement la bitille, c'est boîte ravet là où il fait l'argent. Il va pas venir là parce que c'est ravet nous et c'est ça le dit. Ça c'est boîte peuple là. C'est boîte peuple là avec ce salé. Nous demandons, on l'autre joue que ce boîte avec social. On l'autre joue que ce boîte avec social. Merci. Moi, si on peut appeler social, non, c'est Michel Miré. Moi, j'ai 300 passés, je m'ai monté chaque pays où on contacte la tête. Je monte dans le contact, mais pas de chez chèque. Je demande, je demande à tout concerné. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Je suis mais je vais chercher pour faire une jeune nomination, pas que j'aime l'être nomination. Moi, j'ai 300 passés, je vais trouver chèque, mais je vais trouver chèque dans le pays où on peut faire au niveau de la comptabilité en affaires sociales. Mon clan en affaires sociales qui a dominé nous sur affaires chèque. Un pays employé pour faire un chèque, un pays employé par un chèque. 300 passés, mais pas j'aime plus de jeunes chèques. M'a dit, comptabilité, patissa, faites des gestes pour moi parce que je suis malé, je vais payer des comptes pour moi. Nous allons négocier un deal. Payer loi et caille. Avant, la grand plus de contacts qui fait, mais pas plus de jeunes chèques. Nous allons négocier Jules Moïse. Nous allons négocier un ministre. Nous allons sortir toujours du travail. Nous allons toujours du travail. Je vais passer le ministère devant boîte là, devant le ministère là. Consécutivement, nous toujours devant le ministère là. Comment nous y sommes tous-mêmes? Moi-même. Comment nous y sommes tous-mêmes? Même nous y sommes avec famille, quatre ans, j'aime l'ami. On peut avoir un problème avec nous. On peut nous demander pour nous manger. On peut demander un coup de main. 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 Conseiller, ministre, c'est fait.
monsieur Fred CAS, tout le monde je connais, je ne peux pas le CAS. Nous avons touché 1000 routes, nous avons passé là, 800 dollars. Nous sommes payés 2 mois là. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Notre petit ministre qui nous est là. Nous ne pouvons pas négocier Gilles Moïse en DCAS. Merci. Nous ne pouvons pas faire un chèque. Nous ne pouvons pas faire un chèque. Je le Franck, je dis à l'homme qui est le ministre de la Faisance là, ça veut dire quoi? Nous même au niveau général, nous sommes supporters du gouvernement qui est là. Nous devons demander rapidement pour le CPTA pour une décision pour le nommer pour le ministre bien rapide. De fait, c'est ça, au fait. Mais je dis, après avoir fait tout ça, nous avons décidé de nommer plusieurs autres ministres. Nous avons installé toute munition. Le président Stou là, je dis, c'est pour nous dire. Et ministre, pas yon pas facile. Pour ce ministre de la Faisance, la bataille pas facile. Mais quand même, il faut travailler la fête. Il faut travailler la fête. Parce que le peuple là, il attend. Non, non, le pays là, il attend. Et là, il y a un peu de politique. Il y a un peu de politique. Quel leader politique traditionnel? Parce que le leader politique traditionnel, c'est eux qui sont toujours là. C'est eux qui sont là. Et c'est eux qui sont toujours là. Et c'est eux tout qui mettent profit. Ma bien leader qui a envie de faire des pour les pays. Mais l'homme impressionnant, mais il faut faire des au profit de les pays pour aller les contre. Je dis à travers au profit de les pays. Prenez plus le peuple là plutôt. Parce que le peuple là, il attend la tête de l'amour qui c'est sécurité. Sécurité, c'est une probabilité sous-résolue. Le peuple là, abgado bien. Parce que je dis à personne, nous ne pouvons pas traverser aucun côté. Mais l'homme là, vous mettez sécurité dans le pays. Il y a 4 personnes qui ont la police de l'évoquer. Qui c'est Princelle de premièrement. Deuxièmement, qui c'est responsable S1 qui vont comptable, responsable SDA qui c'est la matinée, responsable département la Tibonica qui c'est Paul Mena. Et 4 personnes ça nous de retirer dans la police. Et d'autres personnes encore de retirer, c'est cartel magistrat, nous de retirer avec délégué départemental et direction de changer. Et je dis à c'est ça nous au niveau d'amitié, PM et d'Alconi pour le faire, et plateforme Haïtien pour sauver Haïti avec et Jida avec tout. Et les pays ici avec la sécurité en la pays. Vous pensez que nous faisons ministre dans votre état, vous pensez à un changement? Je pense que nouveau ministre et nouveau premier ministre, tout, l'étendait ce qui a passé dans le pays, l'étendait plus la population. Elle n'a pas fait rien autrement de plus la population. Et une raison qui fait moins dit, PMN, ni ministre, pas prendre pression avec qui l'idée politique. Parce que l'idée politique, c'est eux qui sont là, c'est eux qui sont toujours là, c'est eux qui toujours voulaient mettre profit pour les gens qui veulent travailler pour le peuple. C'est l'étendait plus le peuple là, pour son changement total, pour le peuple ici à Carlos. Et puis pour vous faire pour mettre faire élection, pour que le pays a des pouvoirs légitimes pour faire ici en car à nos souffles. Comment vous avez dit, vous dites qu'il ne faut pas passer dans votre ministère hein? Bon, peut-être ça va passer. Mais nous-mêmes, nous ne venons pas parler de ce qui passe déjà. Parce qu'il y a plein de monde qui est passé, nous avons dénoncé, et nous avons dit, ministre à tout fait mon temps. L'obligé tout à fait avant le grand poste. Parce que je dis à grand pile de bagaille qui fait en une boîte là. Il faut qu'il cherche qu'on est. Est-ce que les gens pas goûté l'argent de l'État? Parce que l'argent de l'État n'est pas goûté. Pour lui-même, il parle de la chaise.